compagnie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 4 juin, c'est la fête des mères, donc bonne fête à toutes les mamans, bonne fête à toutes vos mamans. J'espère que vous allez bien, je ne sais plus si je l'ai dit. Moi ça va bien, il fait très très beau, il va faire très très chaud et on va aller manger à Versailles. Donc je suis super contente. Je suis hyper contente, j'aime beaucoup sortir. On va profiter, alors on va voir si on prend un resto ou on mange à l'ombre ou on mange au soleil. Il va faire trop chaud, enfin trop chaud. Ça va être, je pense qu'il vaut mieux manger à l'ombre parce que ça va cogner sec, je crois qu'il va faire 28 degrés, un truc comme ça. Surtout à l'heure de manger. Et voilà, donc c'est bien cool. Je suis trop contente, ça me fait trop plaisir. Je me suis réveillée tard, enfin tard, 8h30 pour moi c'est tard parce que... C'est rare quand je me lève à cette heure-là. De plus en plus, le week-end, je commence à me réveiller à cette heure-là. Demain, ça va être dur, le réveil à 5h25. Mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'ai bien dormi. J'ai dormi d'une traite pour une fois. C'est rare. C'est rare. Donc, je suis bien contente. Les cheveux, ils sont tout bizarres. Quand je me lave les cheveux, je les trouve trop... C'est vrai que je crois que je me les lisse, parce qu'ils sont tout bizarres. Enfin bref. Et il faut surtout que... Putain. Je refasse ma couleur, mais j'essaie de calculer parce que parce que si je la fais maintenant, ouais, si. Je sais pas, pour avoir les cheveux moins blancs quand je vais partir en vacances cet été, mais j'aurais dû faire ça la semaine dernière et refaire ça juste avant de partir. Parce que c'est vrai que quand je vois ça sur les vidéos, c'est horrible. Enfin, je trouve ça horrible, hein, mais bon. C'est une catastrophe d'avoir des cheveux blancs, c'est chiant. Après, il y en a qui acceptent, d'autres pas. Moi, j'accepte pas. Enfin, j'ai du mal. Ça vieillit beaucoup, je trouve. Ouais. Et encore, bon. Bref. Peu importe. Tant pis. Je serai devant vous avec mes cheveux blancs. Je vais essayer de cacher. Quoique c'est dur. Hein. C'est dur de les cacher. C'est surtout quand je les... Je sais pas comment mettre. C'est surtout quand je les attache, ça se voit vachement, je trouve. Non, non, bref. C'est la vie. J'ai 50 ans. J'en ai depuis que j'ai 30 ans. Donc, voilà. Toute ma vie avec les cheveux blancs. Je me suis mise en robe aujourd'hui, c'est exceptionnel. Hop. C'est une des robes que j'avais acheté sur Shein. J'aime bien en fait, j'aime bien comment elle tombe. En fait, je pense que c'est ce style de forme de robe qui me va. C'est pas le cas pour tout, parce qu'elle est assez ample, elle n'est pas moulante. Donc ça cache un peu tous les bourrelets disgracieux. On a bien mangé. On a mangé dans une pizzeria, mais on n'a pas pris de pizza. Pris des légumes grillés, là, les antipastis, c'était trop bon, à l'huile d'olive. Et des pâtes au saumon. C'était très bon. Très très bon. Là, on va se balader près du château. Il y a du monde de ouf. C'était jour de marché aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde aussi à Versailles. Voilà, voilà. Alors, les jardins du château sont payants actuellement, donc là on va juste aller juste au bord, mais on y va souvent nous quand c'est pas payant. C'est payant, je crois que c'est de octobre à mars, c'est pas payant. C'est comme ça, mais dès qu'il commence à faire beau et tout ça,
puis les mètres payants, alors tu vois des choses. En fait, l'été, tu vois quand même les fontaines, plus les plantes, enfin les fleurs, que tu ne vois pas l'hiver ou l'automne. Donc voilà. Là, on va juste au bord. Je ne sais pas si on va y aller, je pense pas. Là, il y a les grandes eaux aussi. On voit un peu plus de choses, mais bon. L'hiver, c'est sympathique aussi. Enfin, l'hiver. Il y a beaucoup trop de monde, donc on change d'endroit, enfin on change d'endroit, on va rester à Versailles, mais on va aller en bas là autour du petit, je me rappelle même plus comment ça s'appelle, du lac, enfin il y a un grand lac trop beau, on y a déjà été, et il n'y a personne là, voilà, et qui plus est, c'est très ombragé, donc ça va être parfait, voilà. Il y a énormément d'étrangers et canadiens, des italiens, des anglais, des américains. C'est revenu là. Il y a évidemment des chinois, japonais. Oui, je sais. Mais on l'a déjà fait. Lui, je vous l'avais déjà montré. Il nous avait même fait coucou une fois. Je l'avais déjà filmé, David. Tu te rappelles pas? Ouais. Il avait fait coucou dans la... J'avais déjà filmé le mec une fois précédente. Là où on va, c'est la pièce d'eau des Suisses. Voilà. J'ai vu sur le panneau. Bon ben voilà, on va bientôt se rentrer. On a fait une belle balade. Oh, une belle balade ma foi. C'était cool. On était trop bien. Oui, alors, j'ai étendu mon linge sur les chaises. En fait, je viens juste de faire une petite lessive rapidos. C'était à la base, nettoyer toutes mes baskets là d'été que j'ai ressorti. Elles étaient toutes... Celles-là, je les avais mises aujourd'hui, du coup, je les ai lavées. Toutes grisâtres là, au truc et tout. Ça, c'est des vrais Ben Simon. Celle-là, non, c'est des chaussées ou je sais pas quoi. Bref, et du coup, donc je tout lavais à 30, là, vite fait. Et comme il y avait des fringues, je mets dehors. Enfin, je mets sur les chaises. Je vais peut-être enlever les... Comment ça s'appelle?
appelle les lacets. On a un étendoir, vous savez, les gros étendoirs parapluies là. Mais il est pas. On a un. Comment ça s'appelle ? Un trou là. À la vie, il a fabriqué un truc. Faut le sortir du truc, faut le planter. Je trouve ça relou en fait. C'est pas pratique. Et je trouve ça dommage parce que du coup, chaque fois, enfin, si j'ai des trucs à étendre quand il fait beau comme ça, le truc il est lourd. Après, faut tout le déplier, faut le planter et tout. Et en fait. Des fois, je dis à David, tu peux me sortir le truc et tout. Déjà, il faut qu'il soit là. Alors, je peux le faire toute seule. Hein. Clairement, je peux le faire toute seule. C'est juste que c'est chiant. Franchement, c'est pas agréable. C'est une perte de temps. Du coup, voilà. Je mets sur les chaises. Donc, ça fait un peu. Ça fait un peu. Je sais pas quoi d'ailleurs. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, de toute façon, là, vu les températures, ça va sécher vite fait. Donc, on est rentré, hein, comme vous pouvez le constater. Donc, j'ai fait une lessive rapidos. Et d'une demi-heure. Et voilà, c'était génial, c'était trop bien. Il a fait très chaud, mais par contre, on était très bien. Parce qu'on a fait des endroits ombragés. Il y avait du vent comme ça. C'était génial. J'avais déjà fait un vlog à cet endroit-là, hein, je ne sais plus quand. Donc voilà, c'est hyper redondant, mais voilà, c'est parce qu'on fait des endroits similaires, enfin, on voulait pas aller trop loin, on voulait... Donc voilà, mais bon, je me suis dit que j'avais envie de refilmer quand même. Donc je me dis, bon, tant pis, hein, ça passe, ça casse. Et je pense que le vlog devrait être très court. J'ai pas dû filmer beaucoup, j'ai pas parlé beaucoup. Mais bon. Voilà. À chaque fois, je vous dis, oh, mais le vlog, il devrait être très court. Oh, le vlog, il devrait être très long. Mais ça change rien que je le dise ou pas, mais bon, c'est juste parce que je me fais la réflexion dans ma tête. Voilà, voilà. Demain, le 5h25 va piquer, je crois que j'ai déjà dit ce matin. Mais bon, oh, il fait beau, il va faire beau comme ça tout le temps et tout. Par contre, vous voyez la robe, quand on est en robe comme ça, elle est, en plus, elle est hyper légère. C'est génial, mais j'ose pas mettre au boulot, en fait, je me sens pas à l'aise et tout. Et c'est dommage parce que c'est vrai qu'on a quand même moins chaud, on sent moins la chaleur. Hein. Bon, quand on est en legging court, avec un petit haut aussi, ça va. C'est le jean qui est moins supportable. Bref. Et voilà quoi. J'essaie de couper dès qu'il y a une rafale. Devant. Voilà, je pense que je vais clôturer là. Il faudra que j'aille m'atteler au montage, que j'aille voir tout ça. Je coupe les scènes inutiles. Des fois, elles sont inutiles, mais je les laisse quand même. Et voilà. Je fais des gros bisous, j'aimerais essayer de regarder la vidéo. Ne regardez pas mes cheveux blancs. Ah zut. J'ai remarqué dans les vidéos que je filme, j'ai souvent les cheveux qui viennent dans la bouche. C'est relou. Alors, donc, rafale. La rafale est passée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis et à bientôt.